might just hit it throw a horse. That's not my element. I like Boston's, love a melanin. Talk, pushing me to talk. When I'm stepping in, 30 bottles at the school. Bibi Star est avec vous. Heureusement que je suis là. Je vous raconte tout ce qui se passe. Au pénal au mois de janvier pour cette pute là. Voilà. Mais elle a Donc porté plainte. bon. Mais à la sortie des dingueries, si tu savais les dingueries qu'à la sortie. Et c'était un truc de ouf, un truc de ouf. Et le pire, après, tu sais, moi, je vais te dire une chose. Quand j'ai été convoqué, moi, par les Hnouch, tu sais que moi, Ah. c'était une audition libre. Hein. C'était une audition libre. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, la femme, elle m'a dit, monsieur, vous n'êtes pas obligé de rester. Si vous voulez, t'as vu, vous me dites au revoir et ciao, t'as vu, vous restez pas. T'as vu? Ouais. En gros, c'est une audition libre. Et moi, je voulais savoir, t'as vu ce qui a été dit. T'as vu? Donc, je lui ai dit, non, non, moi, je reste, t'as vu, je veux savoir, t'as vu, ce qui se passe, Non, ce mais qui se t'as dit, t'as raison. vu? Ah ouais. Et là, la vie de ma mère, elle me sort des trucs de séquestration, des trucs de Starfall, des trucs de malade. Là. Sauf que, t'as vu, elle a menti sur pas mal de choses. Donc, en fait, quand tu mens sur une, deux, trois choses, c'est-à-dire que Ouais. toute ta Fini. crédibilité, elle s'en va. Parce que, Ouais. les Hnouch, avant de me convoquer, ils Ils ont se sont tout dit sur renseignés, moi. ouais. Y Mais compris, oui. je ne sais pas si Ouais. tu te rappelles, mais à cette époque-là, moi, je partais en déplacement. Donc, comment tu Ouais. vas faire pour séquestrer quelqu'un alors que tu es H24 dans ton camion, tu es H24 en déplacement? Tu ne peux pas séquestrer quelqu'un. Ils ont fait des enquêtes de voisinage. Moi, mes voisins, J'ai je m'entendais entendu. bien avec eux. Elle, elle ne s'entendait pas avec eux. Donc, au final, ben voilà. Et en plus, j'ai toutes les preuves que là, dernièrement, là, elle est venue sur Bigouze. Elle m'a, ouais, je vais lui niquer sa vie. J'ai des enregistrements de fou d'elle. Voilà, j'ai envie de lui niquer sa vie, fils de pute, machin, il se tape chez Tana, il verra plus jamais son fils, elle m'interdit de voir mon fils et tout. Mais Elle m'a non. accusé, voilà, elle m'a accusé de trucs de ouf, il frappait son fils, machin, des Ouais, mais il trucs n'y de a pas malade. de preuve. C'est quoi ces conneries? Mais ouais, mais qu'est-ce que je te dis, voilà, hein, c'est truc de fou, voilà, truc de fou, de manière. Tout ça parce Donc, que tu frappes pour je son fils, mais elle est quand même restée avec toi. Et elle n'a pas porté plainte Ouais, pour voilà, protéger son tout ça gosse. s'en fout. Parce qu'en gros, en fait, elle était juste haineuse parce que elle voulait que je la récupère alors que moi, non, t'as vu, c'était fini, tu vois. Donc, elle m'a inventé des vies, elle m'a inventé des saloperies, cette petite pute, t'as vu. Alors que tout le monde me connaît, t'as vu. Moi, ils savent les gens, je suis pas comme ça, t'as vu. Wesh, c'est une malade ou quoi, celle-là, voilà. Donc, du coup, et encore même dernièrement, elle est venue sur Bigo Live, elle m'a insulté, à me faire des menaces.